Bon, alors, je teste la vidéo depuis l'aéroport. Je verrai bien si le niveau sonore de la caméra est suffisamment fort. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aujourd'hui, je voudrais parler du 2 minutes de hotspot. 2 minutes de hotspot, ça vient de Fly Lady. Donc, elle vous invite, en utilisant uniquement 2 minutes de votre temps à chaque fois, d'éteindre ce qu'on appelle un hotspot. C'est un point chaud. C'est un endroit chez vous où, par miracle, on ne sait comment, tout le bazar s'accumule. Mais comme un aspirateur à bazar, c'est pas juste un vide-poche, c'est carrément un vide-sac, un grand vide-caddie, le courrier s'y pose, ou les dessins des enfants s'y posent. Voilà, tout. Quand vous arrivez à la maison, tout arrive là. Et puis au final, ça prend une dimension assez importante. Et puis d'une minute après l'autre, vous vous rendez compte que mince, il y a du bazar qui s'est installé à cet endroit, et le bazar vient toujours s'installer à cet endroit. Donc ce qu'elle vous invite à faire, c'est d'utiliser 2 minutes de votre temps, par exemple le matin, pendant que vous préparez votre petit déjeuner dans la cuisine, si votre hotspot il est dans la cuisine, vous pouvez utiliser ces 2 minutes pour juste enlever pendant 2 minutes quelques systèmes pour que cet endroit retrouve au fur et à mesure un aspect qui vous est plus agréable, plus confortable. Sinon, une seconde technique pour traiter les points chauds. Donc cette fois-ci, vous prenez tout le contenu de votre hotspot et vous le faites glisser dans une grosse boîte ou dans un caddie. Non, pas dans un caddie. Remarque, des fois, ça pourrait faire un caddie. Vous faites glisser dans une grosse boîte ou dans un grand bac. Et ainsi, cet emplacement se retrouve vide. Et donc, du coup, pour qu'il reste vide, pour rappeler à votre mémoire qu'il doit rester vide, vous mettez quelque chose de joli à cet endroit. Pas forcément que ça soit gros, mais juste joli. C'est juste pour rappeler que cet endroit doit rester vide. Et puis donc ce bac qui se retrouve complètement plein, et ben vous allez le vider au fur et à mesure, soit dans les 15 minutes ou voilà. Ce sera votre objectif de vider ce bac, mais au moins en une seule fois, votre point chaud sera complètement vidé. Au revoir.